Les choses, tu vas bien, soit tu m'expliques pourquoi dernièrement je fais du moins 70 quand je fais du top 7 et seulement plus 40 quand je fais top 1, ça m'en ouf. Ah, est-ce que, Ubev, t'as gagné pas mal avant? Genre récemment, est-ce que t'as gagné pas mal de puntos? Ce moins 70, ça veut dire que... Non, je sais pas. Quand tu fais moins 70, ça veut dire que tu étais favori du lobby et que tu as été pitre. Genre au tout début de la partie, là par exemple, je dis n'importe quoi. Si là, moi je suis là, je suis master et je tag des 7 tchal, si je perds, lui il va dire ouais, c'est pas grave, t'étais pas favori, frérot. Tu perds pas beaucoup de points. Ah, j'aurais pu garder Lucine aussi. Ah! Oh! Ça sent le scopt. Do it. Bah, un petit astral ionné. Tout bas. En dueliste, on aime bien quoi? Ginzo BT? Leona Shop? Bon, c'est plus ça, c'est clair. Ginzo BT? Oulala. Après, le jeu me donne pas du tout cette direction. Hein. Deux Bruiser level 2 là? Bruiser Scoped Weapons. C'est évidemment Olaf, mais je suis loin d'Olaf là. Parce que je peux tout refuser pour jouer Michel. Et je vois pas ce qu'on peut jouer d'autre avec Scoped Weapon actuellement. Scarner Scope. Je peux être en semi-forcing, c'est ok. Et j'ai pas besoin de prendre la tête quoi. Bon, dans tous les cas, je peux pas faire d'économie parce que je vais garder Leona. Y'a le Yinche. Ah merde, celle-là, je vais pas casse du coup. Il meurt en dernier, Yone. Oh, ce Scarner, what the fuck? Taxi vite. C'est pas mal en vrai, Scarner Scoped. C'est vrai que tant qu'il a son shield, il attaque vite. Tu mets Ginzo, il... C'est pas mal. Runan, Gunblade, ça pue? Oui. Non, je pense qu'il faut Ginzo, il faut profiter. Duelist plus Scope, il peut vraiment. Tiens, attack speed. Là, je suis ok d'attendre un peu. Le Ginzo GS me paraît très adapté, mais. Alors, l'arc à 3 gold nous régale. Hein. Parce qu'en plus, on deny potentiellement les autres. Donc... C'est énorme. J'ai peur de gagner, c'est genre de ça. Ok, non, je peux gagner. C'est bien, on arrive à faire des semi-good loss, on pourrait prendre des moins 10, prendre des moins 8. Salut, est-ce qu'il y aura des recrues sur TFT avec les superfs des joueurs Aegis? Les superfs? Qu'est-ce que c'est de superf? On n'est pas champion d'Europe? Un peu dur quand même. Je devrais battre les deux, non? Écoute, non, et on est très content de nos performances. Les joueurs s'entraînent bien. Il y a deux joueurs en finale. Championnat d'Europe, ils se sont quand même globalement bien débrouillés. Pas parce qu'on n'a pas gagné qu'ils ont souffert. Je pense que. Faut pas être trop court-termiste aussi sur les projets. On est dans une société où il faut vraiment avoir des résultats très rapidement et. Parfois, avoir un bon collectif, c'est quand même bien. Ah, dommage, elle a pas cassé une deuxième fois, lui. Non, mais c'est quoi la composition en... C'est quoi? C'est Leona, Yone, Brome et que des Warriors. C'est ça? Ça peut se tenter Yone reroll dans ton spot? Non. Est-ce que je vais le faire? Oui. Leona, elle part en late? Ah, est-ce que je vais l'atteindre le late hein?
Une autre question. Ginzo Gargoyle. Ginzo Gunblade. Pogyu Pogchamp. Vous le tentez, Ginzo Gunblade? Allez, vas-y, on se fait un avis. Je suis le scientifique. Non, FF. Je te propose un Luigi Gasp à la place. Voilà moi ce Skarner qui se donne et qui régène ses copains à coup de vin. Ah, la Lux. La Lux qui régène grâce au Skarner. C'est légendaire. Il redonne des HP à Sylas. Mais attends, mais c'est incroyable! Mais attends, mais le Sylas qui casse! La partie a gagné ici! Oh là là, mais quel travail fantastique de la part du Skarner! Je vais slow roll Yone. Et que je n'ai pas de Yone. Wise Spending est très risqué. Sachant que j'ai Ginzo Gunblade et j'ai pas besoin d'objets, Binary est très bien. Roll? Non, je roll pas ici. Hein. C'est soit ça, soit ça. Y'a pas de Swift Shot, Yone! Putain, je suis con, y'a pas de Swift Shot. J'ai oublié. Ok, on en pense quoi de ça? Ouais, c'est pas de Swift Shot. Osef de Swift Shot et l'Augment. Ah, peut-être que j'attaque trop vite, non? En fait, c'est vrai que vous dites nimp, hein, j'oublie ce détail là. Parce que Ginzo Gunblade Duelist, pas de Swift Shot, Scoped Weapons. Encore le 1, il était bien, mais. Duelist, y'a pas besoin non plus. Un petit scorpion! Trop mimi! Bah, comment tu fais si t'as pas Dioné? Alors, donc, je suis pas sûr de comprendre ce qui se passe là. Parce que là, je suis en train de jouer Yone Reroll et je n'ai pas eu un Yone. Hein. Ça paraît compliqué quand même. Je suis pas sûr que le 4 duelliste soit nécessaire. Donc c'est soit Aspas Swift Shot, il va genre accélérer à la vitesse de l'éclair quoi. Ça va être un mec qui fait chou 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 chou. Je viens de bagnonner dans ma solo queue. Ah bah ça peut être ça. Y'a personne qui le joue hein. J'ai regardé tout à l'heure. C'est une game Skarner Reroll les gars, on s'est trompé. Hein. Non! 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 Allez, 3 Yone, boum! Presque. Presque. Nunu? Mais pas Nunu, non? Mais putain! Mais. Mais attends! Mais que faire? Mais que faire? Que faire? Non mais no cap, y'a pas eu de Brown, pas de Yone, rien. Roll à zéro après les loups? Non mais c'est fini là, non, on lance une game. Y'en a pas un. Je veux bien forcer une compo mais y'en a pas un. Le Twitch je l'ai envoyé en suicide. Bien, on devait commencer vers 11h le docu, on est à l'heure. Ce Yone de Wish, là, il se donne quand même. Hein. Allez, petit scorpion. Pas d'Olaf, pas de Brome, pas de Yone, c'est la vie. Hein. Ah bah super. C'est exactement ce que je voulais. Ça. Ah, là voilà la bonne nouvelle. Là voilà la bonne nouvelle. Bon, on va trouver le level 2 quand même, non? Oui, monsieur.
Mais qui t'ai-je ? Qui reste ? Alors, oh, oh là là, il y a un choix intéressant là. Ça peut me rapprocher de Twitch 3, mais j'ai pas besoin, j'ai déjà trop attack speed en vrai. Le locket est intéressant aussi, parce que je peux mettre locket front et j'ai le protecteur zoo. Attends, c'est pas mal là. Ou sinon, je fais un Swift Olaf. Swift Olaf qui me donne Twitch 3. Oh, c'est pas mal aussi, je peux avoir lui en carré. Ça, c'est légendaire les deux. Olaf Swift. Non, sinon juste Better Together, hein. Comme ça j'ai une front. C'est ça les gars, j'ai une vision. Là, j'ai déjà 3 items d'aura. Et Olaf profite déjà de ça. Non, alors, déjà que ça, c'est un peu overkill. En plus. Mais c'est pas rompiche, c'est que c'est plus fort en fait. Excusez-moi de faire les bons choix en fait. Vous envoyez comme ça, c'est bien. Mais qu'est-ce qui est sus dans ma compo? À part moi. Brome over Wukong. C'est vrai que le Wuk, il sert à rien en fait. What the fuck? Mais je pense que no joke, là, si on fait genre top 8, c'est un bon résultat, hein, cette game. Twitch! Ils ont tué mon Twitch! Espèce d'enfoiré. Non! Non, mais il faut que je trouve Yone 3 et on devrait le trouver en quelques rôles, mais je suis juste unlucky dans la vie. Je sais pas si je roll down. Arrête, Nar. Crotte, hein. Trap clock ou pas? Ma vie. Ma vie. Trap Twitch, ok? Non. Oh, nice. À l'ammoniac. Bon, c'est le dernier round de Michel. Ouais, bah écoutez, non, mais je pense que, franchement, j'ai dit, hein, là, top 8, c'est pas si mal. Hein. Parce qu'on souffre pas mal dans cette partie. Hein.
Un spike vraiment très tard, on a des thèmes de pitre. Pas ouf. Zeke. Je me demande si Vas-y, on va te mettre sur lui. C'est un chat quand même. Il a stack un peu, hein. Il a 16 d'AD, il tape fort de loin. 4 warriors. C'est un cousin. Ouais. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Salut Sean, ça fait longtemps que j'ai pas joué à TFT, je suis pas sûr de comprendre pourquoi ton Olaf tape de loin. C'est grâce à cet augment là. Il dit que les unités qui démarrent dans les deux dernières rangées ont range infinie. Du coup, ce qui permet de jouer des mêlées de loin. Du coup, il y a Olaf et Yone qui en profitent très très bien. Comme tu peux le voir. Non, je vais juste attendre le level 8 pour rentrer Sylas, les gars. Là, on a tagué deux Aira d'affilée, mais bon, comme j'ai zéqué. Séraphine, Shioyu, Lux, Séraphine, Shioyu, Daija. Hop là, il s'y attendait pas. Oula. C'est pas au niveau du triangle. Ouais, Panthéon, il va crever avant qu'elle casse, je crois. Ah, c'est peut-être kiff-kiff avec Panthéon, hein. Ah, ok, j'avais pas vu ça. C'est tout la fin. Il heal, hein, le Yonet, hein. 4000 de dégâts de heal, hein, quand même. C'est une chose. Pourquoi c'est aussi dur en diamant? J'ai l'impression que c'est impossible de monter master et je trouve pas de ressources pour améliorer au jeu. Bah, review tes games. Review tes games, c'est intéressant. I'm just passing by. Là, ça va être frontline mode check, quoi. Arcane over Leona. Oh là, il a fait du tout, lui. Comment je me positionne, moi? Comme ça? Et après, on fait hop la boum. Oh, Zaira, assassin! Oh, c'est grave, ça sent. Oh, elle a mis 3 stuns là dans la backline, mais je sais pas l'éviter. Elle a gagné le fight à elle toute seule. Hein. Juste, je vais voir si l'item est intéressant. Parce que là, normalement, cette compo là t'enlève Twitch et tu peux faire ça. Mais là, pour Olaf, c'est ok, hein, ça. Je sais pas où le mettre, lui. Je sais pas. Je sais pas si Lux ne tue pas avant. Est-ce qu'on peut régénérer les dégâts de Lux? Ouais, ça va bien. Hein. Aïe. Il me faut Panthéon 2, il me faut Yasuo 2, il faut que je rentre Sylas. Tout ça, il faut que ça passe 2. Ça sent pas cette game. Hein. Mm-hmm.
faire du champ de côté. Pas très bien positionné là. Ah, j'ai pas assez de front, mais je vois pas à quel point je peux roll. J'aurais pas Olaf, j'aurais pas Sylas, j'aurais pas. Ok. Je prends pas moins 14 là contre le Kouz, non? Mais si je roll, je perds aussi de ça. Ah non! Merde, je pensais tag l'autre! Fuck! Après, il y a un monde où j'évite Idas. Parce qu'après Idas, je pense qu'on va taper Daija, non? Okay. Moi, j'ai pas à taper les deux Idas, quoi. Allez, allez! Oh! Non! Oh! Oh! Et lui me bat ou pas large? Putain, il me bat large. Fuck. J'ai un item qui traîne. J'ai un double protecteur Zvo. Si je roll, je perds tout ça en fait. C'est pas trop grave, mais. En fait, je pense que ça vaut le coup de rien foutre et. Ça vaut le coup parce que je rentabilise ça aussi. Je peux peut-être mettre la baguette sur l'un des Michel. Là. Et puis c'est la vie quoi. Ouais, c'est Zaira qui m'assassine dans ce match-up. Oh le Grace qui prend Edge of Night. Zaira qui va cast encore. Putain. Ouais, je peux pas. C'est dommage parce que lui, je sors pas à 2 ou 3 auto-attaques près et du coup il remonte et c'est pas un bon match-up pour moi. J'ai pas d'anti-heal. Je peux rien faire. Ouais. Après, ça se discute. Est-ce que Idas 2. Est-ce que j'aurais pu trouver Idas 2? Lui, il n'en avait que 3. J'aurais pu trouver Idas 2. Alors, Yasuo 2, je l'aurais pas eu. J'aurais pas eu Olaf 3. Du coup, j'aurais eu un Olaf avec moins de peps. Peut-être que c'est Idas 2 diff. L'anti-heal aurait aidé. Bah, après, j'ai Panthéon en anti-heal. Mais bon, parfois, Panthéon il rate ses ulti. Il touche pas tout le monde, quoi. Ce qui meurt assez vite, quoi. Ouais, là, c'est le Fire, il fait le taf. Hein. Ouais, je pense que le matchmaking aurait pu être plus généreux. Et j'aurais eu attaque que la Daija. Et plus de chance contre Daija. Bon, c'est ok, on a gagné quand même quelques LP, c'est cool.